So, tu dois être là. Selma, tu dois être là. Avec plusieurs titulaires absentes, les girls du RWDM se devaient d'être prudentes. Après la défaite de Tirlemont juste avant la rencontre, leur coach craignait l'excès de confiance, a raison. Go, go, go. À l'image de cette action, les blanches et noires passent à côté de leur sujet durant la première mi-temps. Veldhem aurait pu profiter des largesses et de la maladresse des joueuses locales. Le RWDM croque en effet plusieurs occasions. Toraya Elbouzid n'arrive pas à redresser suffisamment sa frappe. Celle de Salma Bouzedi n'est pas assez appuyée pour inquiéter la gardienne. La remuante Sarah Delvoet tire au-dessus. À la mi-temps, Veldhem fait jeu égal avec le leader. Quand j'ai vu un peu le comportement de certains joueuses et tout ça, oui, ça va aller aujourd'hui, on va être premier, tout seul et tout. Donc c'est-à-dire que c'est des signes qui montrent un peu que on a sous-estimé l'adversaire, et quand tu sous-estimes l'adversaire, tu ne joues pas avec tes capacités à 100%, tu n'es pas concentré à 100%. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe, quoi. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on a échappé belle, mais presque, quoi. En deuxième période, le coach bruxellois a la bonne idée de faire rentrer rapidement Sarah Bouziri. Légèrement blessée, la jeune attaquante se met en évidence 2 minutes après son entrée en jeu. Elle adresse une frappe pure qui fait mouche. Pure m'a fait la passe, j'ai avancé et toutes les filles m'ont dit qu'il faut tirer et j'ai tiré, elle est rentrée directement. Aux entraînements avec coach Zoubir, on s'entraîne souvent à tirer de jour en jour, elle s'améliore. Ce but va réveiller les joueuses molenbeekoises. Sarah Bouziri, encore elle, est à deux doigts de creuser l'écart. Mais c'est Nouaïla Elmontasser qui va le faire. Partie à la limite du hors-jeu, elle marque avec le sang-froid d'un vieux briscard. Sarah Delvoet va ensuite tripler l'écart après un bon 1-2. Réduit à 10, Veldhem va avoir le courage de réduire la marque. Mais c'est Sarah Bouziri qui aura le dernier mot, histoire de se rassurer un peu avant le match au sommet de jeudi face à Tirlemont.